De Jésus à travers le monde qui nous suivait. Aujourd'hui, nous sommes dimanche, le jour de ce grand rendez-vous des adorateurs du Seigneur que nous sommes. Merci d'être branchés, merci pour vos suggestions. Que le Seigneur vous bénisse. Merci pour l'attention que vous accordez à cet espace et à la RTG à Haute. Soyez bénis pour cela. Aujourd'hui, nous avons un thème vraiment particulier. Sois déjà dans la joie parce que je vais te l'annoncer. Le thème d'aujourd'hui, nous l'avons intitulé comme suite. Oh, ça, j'ai aimé. L'adoration, une arme. Oh. L'adoration, une arme. L'adoration, une arme.
tu offrirais ton nom. Tu offrirais son nom. Ah, tu offrirais ton nom. Son nom, Jéhovah, Jéhovah. El Shaddai es son nom. Il est puissant, puissant guerrier. Oh,
Bien-aimé, je t'ai dit qu'aujourd'hui ce sera différent. Je le sens debout. Il est debout. Je dis, il est debout. Il est sur son trône, assis. Mais là, je le sens debout. Debout pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il veut combattre à ta place et nous donner la victoire. Et ce soir, je crois que la victoire est certaine dans la vie d'une personne. L'adoration, une arme. Il y a une sagesse du monde, Benjamin Louyele, qui dit, on ne chante pas la victoire. Avant quoi là? Comment? Avant la guerre. Mais j'aime la Bible, elle me dit, nous ne combattons pas pour la victoire. Mais nous là, nous combattons nous-mêmes étant déjà victorieux. Nalinginoka Mololo ya Molongi. Molongi ebete la Yesu Mololo. Hallelujah. Alléluia. Oui, en réalité, notre adversaire avait été déjà vaincu. Il y a de cela 2000 ans. Qu'il le veuille ou pas, que les sorciers de nos familles le veulent ou pas, que les sorciers de Kinshasa le veulent ou pas, ce soir, ils seront écrasés. Ils seront écrasés. Ils seront écrasés. Il est puissant. Il est puissant, notre Dieu. Il est puissant. Nous allons faire un exercice. Nous allons acclamer et pousser des cris de joie. Écoutez-moi pourquoi. La Bible dit, quand nous les faisons, Dieu, comme il est déjà debout, il fait lui aussi quelque chose. Qu'est-ce qu'il fait? Il avance. Il est dit dans la Bible, l'Éternel Dieu avance au son, au cri. Alléluia. Il avance au son des cris de triomphe. Alléluia. Est-ce que nous sommes prêts? Nous sommes prêts. Je demande, nous sommes prêts. Ce que tu vas faire tout à l'heure va embrouiller le diable. Et quand il s'élève, c'est pour terrasser l'ennemi. Est-ce que tu es prêt? Rien. Mais avec Dieu, nous ferons des exploits. C'est comme ce soir, quelqu'un va faire un exploit. Je ne suis pas encore dans le vif du sujet, mais je sens que le monde des ténèbres est déjà en ébullition. Le monde des ténèbres est déjà en ébullition. Yeah, 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 yoka, 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 bien, yoka, yoka. Je vois, aujourd'hui, vous savez quoi? Je ne suis pas contre les prières du genre, na bouki, na koti 21 jours, pour na kobuka démon,
Écoute-moi. Ton adoration de ce soir. Suivez-moi. Tu calmes. Lisons dans la Bible. Écoutez. Jean-Pierre, merci. Fais déjà ça. Nous sommes dans la Bible. Nous sommes dans le livre de Matthieu. Au chapitre 2. Je vais devoir lire 2 ou 3 versets. Je lis au nom de Jésus. Commence à partir du premier verset. Prêtez-moi bien vos oreilles. Jésus étant né à Béthanie en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent. Les mages, quand ils sont arrivés à Jérusalem, ils ont dit quelque chose. Ils ont dit quoi? Où est le roi des Juifs? Il vient de naître. Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Écoutez, ce n'est pas fini. Le verset 3, c'est là qu'il y a mon problème. Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé. Écoutez, pas seulement Hérode. La Bible dit, il fut troublé. Lui, avec toute la maison d'Israël. Yoka, Yoka. Ton adoration de ce soir, je voudrais dire à quelqu'un, va troubler tes ennemis. Yoka, l'adoration de ce soir va mettre en déroute tous nos ennemis. La Bible dit, parce que Nanzela Moko, mais adoration pour quoi l'élo, et on pense à Bango, Nanzela Sambo. Écoutez, ton adoration de ce soir sera comme les pots de bananes sur leur chemin. Donc, parce que vous allez comprendre, parce que c'est le Moukakaka. Ils ne savent pas t'atteindre parce que tu as une arme. Ouais, hey, oh, 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 oh. Hey, hey. Capable de faire tout ce qu'il dit, il fera, il accomplira toutes ses promesses envers toi, garde ta foi en Dieu, il le t'a donné.
Nous le ferons maintenant au présent. On le fait au présent. On le fait au présent. Il a déjà fait. Come on. Il a fait. 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 Il a déjà fait. Il a fait. Je le sens en train de faire. Il a fait. Nos ennemis tremblent. Il a fait. 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 Dans ta maison. Il a fait. Dans ton foyer. Il a fait. Même dans ta vie. Il a fait. Avec son rang social, avec son niveau. Je sais que le combat spirituel est une réalité même de la Bible. Mais je vais te présenter une autre manière de combattre. Une autre manière de combattre. Ne crois pas que seulement ça. Ça ne suffit pas ça. Na Bouki, na Tangi, na Lié, na Ligoté. Ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Josaphat, alors qu'il est environné par toute une armée, et la Bible, quand elle nous donne le nombre de soldats qui environnaient Josaphat, mes amis, écoutez, ça je peux dire, c'était une légion, René. Une légion. 1 million de soldats. Oki Melad. Olekela. What? Cet homme a fait quelque chose. Il a mis sa foi en Dieu. Parce qu'en Zambé, Zambé on a la soupe. Mais n'est pas canaillo. Aux autres, nous ne croyons pas parce que tu es seul. Invite Jésus dans ton combat. Et la manière par laquelle nous savons faire intervenir Dieu dans nos combats, c'est au travers de l'adoration. Qu'est-ce que Josaphat a fait? Il a pris les Lévites, il les a placés en avant-plan. Et lorsqu'ils ont commencé à faire monter leur adoration au Seigneur, lorsqu'ils se sont levés, je te dis l'adoration, hein, c'est comme, je ne sais pas moi, quelles sont les armes les plus lourdes actuellement? Je vis dernièrement avec les phares d'essai. On a présenté quelque chose à la RTNC qu'on appelait Yana. Yana, je ne sais pas. Yana, voilà. Une adoration d'une heure, de 45 minutes comme celle-ci, elle, je ne sais pas, elle représente combien de Yana. Je ne sais pas, elle représente combien de demi-traillettes, de hobbies. Alléluia. Une deuxième personne, c'est Josué devant Jéricho. Nous avons parlé de Josaphat, vous retrouverez ça dans 2 Chroniques 20 à partir de 17. Et là, nous sommes dans le livre de Josué, au chapitre 6, le verset 20. Josué devant Jéricho, c'était une réalité. Vous avez construit ça, Josué Moutou. Makambozo suisa yo mutu. Makambozo nyokola yo. Nazo so ka adoration a poko lelo. Ezo tsanyo so calme. J'ouvre une parenthèse. Ton problème a un nom. Peut-être pour quelqu'un d'autre, c'est la stérilité. Peut-être pour toi qui es en train de me suivre, ton problème, je ne sais pas c'est lequel. C'est lequel. C'est ta maladie, par exemple. Ton problème peut-être,
C'est cette mort en répétition dans ta famille. Ton problème peut-être c'est des études. Ils connaissent beaucoup de difficultés. Chaque problème a un nom. Mais le nom de Jésus. On a vu ça dans notre numéro. Jésus, le nom que j'adore. Combien Dieu avait placé son nom au-dessus de tout. Je te dis ce soir, quel que soit ton problème, écoutez, les genoux qui fléchissent devant le nom de Jésus, c'est d'abord au ciel. C'est-à-dire même les gens, les anges, ils ont cette position devant le nom de Jésus. Ça ne suffit pas. Ici sur terre, moi déjà j'ai cette position. Je vois mon épouse aussi, Peniel Kalamba, qui a la même position. Je vois Pedi Pereira, la même position, quoi qu'il est derrière la caméra. Écoutez-moi, la Bible dit même là-bas en dessous de la terre, c'est-à-dire les démons, les morts ont les genoux fléchis. Je n'ai pas besoin de dire dans ma prière que Dieu soit l'équipe Kimbangu. Oh, Kimbangu a dit que Dieu soit l'équipe. Il a les genoux fléchis devant le Seigneur. Alléluia. Je parie que même Benoît XVI, il a aussi les genoux devant Jésus. Alléluia. Josué devant Jéricho, pour revenir à ce que je disais. Josué n'a pas prié. Josué n'a pas prié. Josué n'a pas prié. Il n'a pas fait la bouquet. La bouquet, à côté qui jeune à 21, t'es pas pire, mais à côté on a 40. Non! Il a fait. Et je parie que ma trompette en Rémi, ça jouait comment? Pa pa pa. C'était comme ça. Pa pa pa. Come on. Pa pa pa. Pa pa pa. Come on. Pa pa pa. Encore. On y va. On y va. Ça résonnait comme ça. J'ai dit que quand tu veux Kana. Encore. Et ça nous a envoyé. Ligne à gauche de la nuit. Ligne à droite de la nuit. Ma fondation est plus fière. Écoutez-moi. La cellule dans laquelle étaient Paul et Silas, c'est le genre de cellule. Jean Moulumba, quand on te sort, tu deviens aveugle. Aveugle. C'était sombre. Et j'aime la précision qu'apporte la Bible. Au milieu de la nuit. En d'autres termes, c'est quand tout devient amer. Quand tout devient sombre. Quand tu te dis Narobandela wapi nakosuka wapi. Laurent Mutumorozo Mituna, Narobanda wapi nakosuka wapi. Nalingine bisayo. Au milieu de la nuit. Vas-y ma boque, va retrousser ma manche. Pam, pam, pam. Pam, pam, pam. Hé! Pam, pam, pam. Pam, pam, pam. Hé! Pam, pam, pam. Je vois quelqu'un. C'est le roi David. Oh, j'aime David. C'est chaque dans ta présence, on ne manque pas d'évoquer David. Je comprends même pourquoi Dieu pouvait l'appeler l'homme selon son cœur. Voilà. C'est aujourd'hui, sincèrement, croyez-moi.
Souvent je lis ça dans la Bible, je sais, je connais ça. Mais maintenant là où je vous parle, je comprends pourquoi Dieu l'avait appelé l'homme selon son cœur. Devant un grand combat qui a engagé tout Israël aux Philistins, devant le géant Goliath. Et quand on donne le palmarès de Goliath, c'est un guerrier de grand chemin. Un guerrier de grand chemin. Quel que soit ton problème, c'est ce que dit la Bible. Quand vous éleverez les fils de l'homme, vous saurez de quoi il est capable. Jean 8, 28. Quand vous éleverez les fils de l'homme, vous connaîtrez de quoi il est capable. C'est bon, arrêtez. Trouvez-moi une chanson de louange. C'est bon, Azalise et Moko. Alléluia. Alléluia. Azalise et Moko. Oya koi saraba Goliath, et fina bisto kakaye. Oya fuka misaraba noko ya bandoki na bambo kakaye. Écoutez, merci à Paradis M. Merci à cette équipe bien. Betty Pereira et Benjamin Luyele. Cette équipe chapeautée par le directeur 33 qui tenait. Merci à RTG Haute. Paradis M. Soyez bénis, ce cadre bien. Alléluia. Oh, 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 oh. Batomayele balanda ki monzoto, kombo na ye Yesu. Batomayele balanda ki monzoto, kombo na ye Yesu. Mwana moke na maboko a mama na ye, zokande mokoli. Bebe moke na maboko a mama na ye, zokande mokoli. Eloba makila lisakoli a Isaya, akozala mobiki. Bame makiolo, bame maki malasi, makana malasio. Kongu mamelo ya vongi na loku. Mwana na mpate, na yukate, na yukate o Oyaleki o Yesu na mbuya Yangela mbayi oyaleki Yesu na mbuya na mwana te Aleki o Yesu na mbakasyo Yangela mbayi oyaleki Yesu na mbuya Soki ya bango kaza mokozi Yabiso mokozi na mbakozi Yangela mbayi oyaleki Yesu na mbuya Papa eba na mboni na yemba ya we Okele si Yamitano waza nyoso Yasi sasa bomoi Yaseta za yawe Yawito Elohim Yanefe Shaddai Yadiso Adonai Yaponzo Jova Shire Yadouzo Jova Shalom Oya treze Kana Katorze Shiro Yavente za papa Yatrente Elolam Karante Shiro 50 Adonai 60 za papa Libelana, libela za alizan Na yungate, na yungate Oya leki, oya Zangela ngai, oya leki Yesu na mbuya Na monate, na monate Oya leki, oya Yesu na makaso Zangela ngai, oya leki Yesu na mbuya Panina pona Yesu na mga Azali se nebo Azali ye moko Azali se ye moko Oya tamola na mai Azali se ye moko Azali sala salo Azali se ye moko Azali sa makasi Azali se ye moko Azali se ye moko Azali ye moko Azali se ye moko
Quand t'as ton lit, il est notre Dieu Jésus. Osalie Seigneur mon corps.